c'est un grand moment de bonheur de vous retrouver. L'école, c'est bien sûr les quelques années que chacune et chacun d'entre vous y passait ou y avait passé. Mais c'est aussi les années qui précèdent l'entrée à l'école. C'est essentiellement ces années qui suivent, ces années où l'on est pour la vie, alumni de cette école, alumni d'Audencia Nantes, école de management. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Alors, merci. Alors la gagnante est Floriane Brisebois. Je suis sûre qu'il y a un beau parcours qui m'attend. Si ça se trouve, dans 10-15 ans, je suis à nouveau devant vous. Si jamais on peut avoir deux fois le prix, on verra. Rendons au César ce qui est au César. Thomas Caillé. Je trouve que c'est une belle récompense parce que c'est une invitation. Voilà, à l'hésitation, à l'incohérence, aux rencontres, aux parcours heurtés. Donc voilà, vive les parcours heurtés. Le gagnant ou la gagnante est Natalia Barazal. Bravo. Que le gagnant est Antoine Corillo. Ça me fait extrêmement plaisir de gagner ce prix du parcours international. La lauréate responsabilité globale est Sylvie Cazenave-Perret. Merci beaucoup, je suis très émue. Le lauréat pour ce prix Talent d'avenir est Jérôme Cador. Oh. Nous avons des ex-échos qui sont Raphaël Lebas de la Cour et Baptiste Sancho pour Idol et Jérôme Pasquet de Divin. J'ai le grand plaisir d'appeler à me rejoindre sur cette scène, Éric Dodin. Pour diriger, il faut être entouré de jeunes, de vieux, de femmes, d'hommes et de toute culture, de toute religion. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.